Bon, c'est bon, c'est bon. Ça là c'est pas travail. Manager. Oui. Grand frère. Bon. Sortez. Sortez. Non, grand frère, vraiment merci pour les conseils. Merci nous tous en aménager là. Qui sera client? Eh, c'est vrai. Il n'y a pas de seul métier. Nous au moins on fait théâtre. Il y a école pour ça. Ça là. C'est ça même qui fait rire. Voilà, fais ça. Bon. C'est bien, on va partir. Bon, ils sont pas mal, ils n'ont qu'à attendre. Hein? Quand les clients vont arriver, ils vont les appeler, ils vont jouer. Le transport quoi. Ouais. Attends un peu quoi. Voilà, je vais t'appeler quoi. Pas de problème. Donc je te dis, tu seras pas déçu de moi. Hein? Tu remontes ça quoi. Attends, prends un enfant des gens pour faire théâtre, c'est travail ça. Un garçon, toi, c'est pas dans la vie, théâtre. Non, mon enfant, théâtre! Allô, non, ne quitte pas, Didier! Non, ne me fais pas le coup du maître! Non, tu vas m'écouter, Didier! Ton bonheur est suspendu à mes lèvres! Non, on se calme! Viviane, s'il te plaît, tu vas chercher un fauteuil, tu t'assois, parce que quand tu vas écouter ce que je vais te dire, tu risques de perdre l'équilibre! Oui, assieds-toi! Viviane! Ce n'est pas de ma faute aussi, je t'aime, Viviane. Non, mais je fais des efforts. Mais c'est plus fort que moi. Viviane, tout a commencé à la plage, oh, quand j'ai vu ton corps offert à ma vue experte. Oh, Viviane, non, attends, écoute-moi, Viviane. Oui, ton regard que tu m'as lancé, ce regard pénétrant, il a créé en moi une éclipse amoureuse, Viviane. Non, Viviane. Je suis sérieux, Viviane. Je t'aime, Viviane. D'amour pur, d'amour dur. Oui. Mais Viviane, tu es un scandale esthétique qui se mord. Non, tu te tais. Laisse-moi faire ton bonheur. J'ai fait une communication à l'UNESCO. Tu es déclaré patrimoine mondial.